C'est ça au départ. Alors on a choisi 4 ou 5 blues qui sont vraiment vintage, qui sont d'origine, quoi, hein, qui sont vraiment des vrais blues. Et puis on a rajouté des petits trucs à droite et à gauche pour faire un petit spectacle, un petit programme. Quoi, voilà. Donc ce sont des ramasseurs de coton et en étroit les Three Cotton Bluesers qui chantent le blues en même temps. Natacha joue du Western. Je pense que c'est la punchline. En fait, c'est pas vraiment un instrument, c'est une planche à laver, le linge. On lavait le linge avant dessus. Et ça vient des jug bands. Les jug bands, c'est des groupes qui utilisaient le jug, c'est une cruche en terre où on souffle pour faire la contrebasse. Les jug bands, c'est des groupes qui utilisent des instruments de briques ou de broc, comme le kazoo. Il n'en a pas fait ce soir du kazoo. Il n'a pas fait de kazoo, ouais, c'est vrai. Ouais. Des faux instruments, des planches à laver, des casseroles. Il y a la contrebassine aussi, je ne sais pas si vous connaissez. Un balai, une manche à balai, un peu. Et voilà, et la washboard, ça vient de là. C'est un instrument, on n'avait pas de quoi se fabriquer des batteries à l'époque. Et du coup, on tapait sur les planches à laver, le linge. On essaie de faire un blues un peu authentique, c'est un grand mot, mais on essaie de respecter un peu l'esprit vraiment du blues initial. Quoi. Les chorus ne sont pas forcément tout à fait dans l'esprit de la Louisiane, mais enfin bon, on essaie de s'en approcher, quoi, c'est pas évident. Devant le public, parce que c'est comme ça qu'on s'améliore, c'est comme ça qu'on a un retour du public, voir ce qu'on fait, etc. Apparemment, ça a l'air de ça a marché, je crois. Aujourd'hui, les gens... c'était un peu un test, parce qu'on a, on a Titou, notre tuba, qui joue avec nous depuis même pas un mois, en fait. De tester la formule à 4 avec lui, avec moi, on n'avait jamais joué encore tous les 4 ensemble. Voilà. C'est remarquable, c'est extraordinaire, parce que là on joue dans une petite scène, mais c'est, la configuration c'est comme si c'était une énorme scène. Elle était un peu bourrée ce soir-là, I'm